Les 25 feuillets du manuscrit inventaire 2033-1 de Sana, que nous avons vu la fois précédente, représentent une découverte extrêmement importante pour notre connaissance de ce qu'a été l'art du livre omeyyade, mais également pour notre compréhension de la réception du texte coranique dans les communautés musulmanes au début du 8e siècle. Plus important encore, ce manuscrit peut être replacé dans une série. C'est en effet quelque chose d'extrêmement important d'avoir affaire à un manuscrit qui s'intègre à un ensemble dont il est possible de comprendre les contours, alors que quand nous avons, et c'est malheureusement parfois le cas, affaire à un manuscrit isolé, il est toujours difficile de savoir s'il représente une tentative qui n'a pas abouti ou s'il est au contraire partie d'un ensemble qui a son sens et son orientation. Nous connaissons en effet d'autres manuscrits, 4 au total, dont les caractéristiques sont tout à fait similaires à celles du manuscrit de Sana analysé précédemment. Comme beaucoup d'autres manuscrits anciens, le manuscrit islamique 1404 de la Chester Beatty de Dublin, que vous voyez en ce moment, a passé pour être un Coran de Haussmann, c'est-à-dire que dans son environnement d'origine, il avait été réputé être une copie, soit réalisée par, soit ayant été envoyée par le calife. C'est ainsi, du moins, qu'il faut comprendre une note qui figure sur le contreplat de la reliure actuelle. Bernard Moritz le vit au début du XXe siècle et put faire des photos de plusieurs de ses feuillets qu'il publia dans son arabique paléographie. Bernard Moritz était à l'époque directeur de la bibliothèque Khedivial et avait donc un assez large accès aux collections égyptiennes. Par la suite, Sir Alfred Chester Beatty réussit à l'acquérir pour l'intégrer à son importante collection de manuscrits arabo-islamiques. Le manuscrit compterait 201 feuillets, selon Arthur Arbery, dans le catalogue qu'il publia en 1967, mais la situation est rendue confuse par la coexistence de deux séries de feuillets. Dans leur état actuel, probablement à la suite d'un ou plusieurs massicotages, ils mesurent 47 cm sur 38 et portent, comme vous le voyez, 20 lignes de texte à la page. Le manuscrit a subi plusieurs opérations de « réparation » entre guillemets, qui ont affecté aussi bien la structure que le texte ou les enluminures. Sur les photographies prises par Moritz avant 1905, on observe que des morceaux de papier ont été collés sur le parchemin pour renforcer les emplacements où il était endommagé. Parfois, ces restaurations grossières recouvrent le texte ou les enluminures. En ce qui concerne ces dernières, il serait nécessaire d'ailleurs de vérifier si elles n'ont pas été retouchées avant que le manuscrit soit vendu, car, comme vous le verrez, certaines comportent des couleurs particulièrement vives. Dans leur état actuel, les feuillets sont pratiquement tous isolés, mais il subsiste quelques bifeuillets intacts qui nous montrent que le manuscrit était construit de manière classique à partir de l'assemblage des cahiers et qu'il s'agissait donc d'un in-folio, c'est-à-dire un manuscrit dont chaque bifeuillet représente une feuille de parchemin pliée en deux. La séquence des côtés chair et poil du parchemin n'est pas conforme à la pratique dominante dans le monde musulman médiéval, car les côtés chair du parchemin font face à des côtés chair, et il en va bien sûr de même pour les côtés poil. Cette structure est identique à celle que Hans-Gaspar von Bodmer avait observé sur le manuscrit de Sana dont nous parlions la fois précédente. Les deux manuscrits ne sont pas similaires par la façon dont ils ont été construits. L'écriture qui a été employée pour transcrire le texte présente également bien des ressemblances d'une copie à l'autre. Comme nous l'avions observé dans le manuscrit de Sana, il s'agit à nouveau d'une écriture très grasse qui donne l'impression d'être plus trapue que celle dont le codex de Fustat est le modèle. Je vous ai mis quelques lettres pour vous permettre d'apprécier la façon dont elle se présente, avec à côté donc, les mêmes lettres prises sur le codex de Sana, le grand codex de Sana.
Le retour inférieur développé de la lyphe, d'ailleurs, s'apparente très étroitement à celui de Sana. La haste du kaf final, que vous voyez ici, cesse de s'élever en oblique, comme c'était le cas dans le codex de Fustat. Elle est tout à fait verticale, comme à Sana. Le mime conserve cette apparence écrasée, mais il est pourvu, comme vous le voyez, d'une toute petite queue, ce qui le distingue de son homologue dans le style O1B. Et enfin, le nun final isolé perd de son ampleur. Il se présente comme une lettre avec un important élément vertical et un retour horizontal inférieur très raccourci par rapport à ce que nous avons observé dans O1B. Je ne m'attarderai pas longuement sur l'orthographe du manuscrit. La scriptio plena est désormais la norme pour le verbe kala, et les copistes ont abandonné l'ancienne orthographe du mot shai, c'est-à-dire shin alifia, pour l'orthographe moderne shin ya. En revanche, les trois denticules de la graphie archaïque de Bi Ayat se maintiennent, de même que la ligne finale du relatif Zhu, autre trait archaïque ou conservateur. D'une manière générale, le A long est indiqué de manière assez systématique par un alif intégré au rasme. De fait, une comparaison avec l'édition du Caire fait apparaître que cette dernière a même reculé par rapport à la scriptio plena que nous observons sur le manuscrit de Dublin, mais il est vrai que depuis cette époque ancienne, on a inventé, si j'ose dire, ce que l'on appelle l'alif suscrit, c'est-à-dire un alif miniature que l'on met au-dessus de l'écriture pour indiquer la présence d'un A long, ce qui permet de revenir à ce qui est supposé être une graphie hijazi, sans modifier le rasme, comme se permettaient de le faire les hommes au début du 8e siècle quand ils copiaient le texte et en amélioraient l'orthographe. Le manuscrit ne suit toutefois pas la réforme que nous avons observée sur le manuscrit de Sana. La préposition « ala » est écrite en effet avec un « ya » final, ce qu'on appelle donc l'alif maksura, dans la nomenclature traditionnelle, et non un lamalif, comme c'était le cas à Sana. On peut également relever que les voyelles brèves ont été portées sous la forme de points rouges que vous voyez ici en noir, puisque cette photo qui apparaît sur l'écran a été empruntée à l'album de Moritz. L'enluminure qui a été préservée est composée principalement de bandeaux placés entre les sourates. Il en reste 34, dont vous voyez apparaître quelques-uns. Nous entrerons dans le détail tout à l'heure. Dans tous les cas, il s'agit, comme vous le voyez, de décors anépigraphes. Et comme dans le manuscrit de Sana, les titres ont été ajoutés par la suite, on ne les voit pas ici, sauf à cet endroit. Dans le manuscrit de Sana, c'est un enlumineur professionnel qui, probablement au IXe siècle, avait exécuté cet ajout en dorure. Ici, en revanche, c'est un lecteur ou un spécialiste qui, à une date ultérieure, à l'encre rouge et dans une écriture assez commune, a ajouté ces informations. Le copiste a généralement laissé deux lignes blanches entre les sourates pour que l'enlumineur y introduise un décor. Il semble avoir été adroit dans sa gestion des fins de sourates, car elles s'achèvent très souvent par une ligne presque complète. Il y est toutefois aussi arrivé, lorsqu'il ne restait qu'un mot pour achever la transcription d'une sourate, de le placer à mi-hauteur de cet espace correspondant à deux lignes. Il a procédé ainsi pour la transition entre les sourates 19 et 20. Vous voyez qu'il y a ici un mot en début de ligne qui est un peu décalé en fait par rapport à la ligne supérieure, comme si le copiste avait voulu le positionner donc à mi-hauteur. Il n'a pas eu assez de texte dans ce cas-là pour remplir plus que les deux tiers de la ligne. En revanche, c'est ce qui s'est passé dans cette fin de sourate 3, où là, oui, il avait beaucoup de texte, donc il est allé presque jusqu'au bout, mais là, il a laissé un espace supplémentaire, ce qui fait que l'enlumineur a dû gérer ce blanc de manière différente. Les différences de style entre les enluminures, on le verra tout à l'heure plus en détail, pourrait indiquer que plusieurs intervenants se sont répartis le travail.
Pour le moment, je ne chercherai pas à trancher la question de savoir combien d'artistes étaient impliqués, et je parlerai de l'enlumineur de manière générale. Dans l'ensemble, la forme simple du bandeau rectangulaire allongé a eu la préférence. Deux types principaux coexistent, l'un est plus étroit, l'autre plus épais. Dans la moitié des cases observables, leur contour est dessiné par une fine torsade, ce qui n'est pas le cas ici. Lorsque, comme nous venons de le voir, le copiste n'a pas rempli plus des deux tiers de la dernière ligne d'une sourate, l'enlumineur a parfois adopté une disposition qui n'est pas très éloignée de celle que nous avons observée sur le manuscrit de Sana. Dans ce cas, le bandeau prend une forme irrégulière, comme on l'a vu ici. L'artiste semble également gêné par la présence d'un mot, le dernier de la sourate qui s'achève, dans la partie droite de l'espace, qui en principe était réservé au décor, mais on l'a vu donc à l'instant, pouvait être occupé par un mot qui restait à copier. L'enluminure passe parfois en dessous de l'écriture, parfois l'intègre. De toute évidence, les deux interventions, celle du copiste et celle de l'enlumineur, ont manqué de coordination. De part et d'autre des bandeaux, se déploie une vignette plus ou moins développée. Ici, elle est vraiment très, très réduite. Et de ce côté-ci, elle a tout simplement disparu. Ce qui est généralement le cas du côté de la marge de gouttière, c'est-à-dire vers ce qui est la marge extérieure. Comme je le disais, la vivacité de certaines couleurs, comme celle que vous voyez en ce moment à l'écran, paraît un petit peu suspecte. Mais dans bien des cas, il me semble qu'il ne s'agit pas de retouches récentes. Des bandeaux qui figuraient dans l'album de Moritz, publié en 1905, étaient pratiquement dans le même état de conservation qu'aujourd'hui. Dans un cas au moins, celui du décor qui précède la sourate 15, l'ensemble a été repris, j'ai sauté une diapositive, a été repris à une date ultérieure. C'est ce qu'indique également la composition du bandeau, très différente de tout le reste et n'étant maintenant postérieure dans son inspiration. En outre, l'extrémité de l'enluminure, du côté de la marge de fond, se distingue des autres par la façon dont elle recouvre la base de la vignette. Il est possible que l'on ait voulu restaurer un décor en mauvais état, mais on ne doit pas exclure qu'on ait voulu dissimuler un décor qui ne paraissait pas convenir. Une exception d'une autre nature est celle que constitue le bandeau de la sourate 9. La sourate 9 commence ici et, comme vous le savez, c'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par une basmala. Le copiste a transcrit les trois derniers mots de la sourate 8 en début de ligne, puis a commencé à écrire le début de la sourate 9 sur la ligne suivante, donc ne laissant à la disposition de l'enlumineur qu'un peu plus de la moitié d'une ligne pour réaliser le décor, et donc sans sauter une ligne comme il le fait habituellement. Vous savez donc que la sourate 9 n'a pas de basmala. Vous savez aussi que selon une tradition, elle résulterait d'une division de la sourate 8 en deux morceaux. Est-ce que c'est la raison qui a amené le copiste à respecter en quelque sorte cet état ancien et du coup à considérer que ça n'était pas vraiment un endroit où il convenait de sauter une ligne? On se souvient que le copiste de cette partie du palimpseste de Sana avait de son côté jugé bon d'ajouter un commentaire pour signaler qu'il ne fallait pas dire la basmala. Donc il y avait sans doute à l'époque une certaine, hésitation sur la façon de gérer cette sourate un petit peu différente des autres. Les décors du manuscrit de Dublin que nous connaissons actuellement reposent principalement sur la répétition d'une forme de base par juxtaposition dans l'axe horizontal. Cette option était, il vous en souvient, déjà présente dans le codex de Fustat, où elle coexistait néanmoins avec d'autres qui reposaient sur un unique élément, je pense en particulier à la colonne, qui est vraiment l'exemple même de ces compositions uniques dans leur conception. Dans le manuscrit de Sana, la répétition d'un module décoratif est à la base de tous les bandeaux placés avant les sourates, la longueur de cet élément variant considérablement.
Ce type de composition favorise naturellement la géométrie, qui organise d'ailleurs plusieurs des bandeaux du manuscrit de Dublin. L'effet final est renforcé par des filets blancs qui définissent les formes et introduisent ainsi une subdivision de l'espace soulignée par la distribution des couleurs dans les différentes portions. Dans l'enluminure réduite qui précède la sourate 9 que vous avez sous les yeux, la composante géométrique est au premier plan. Nous trouvons en effet un décor où une ligne de cercle, que l'on voit ici, alterne avec des losanges dont on voit les pointes qui dépassent. Cette disposition est reprise avec une légère modification dans les enluminures qui précèdent les sourates 5, 79 et 35. Elle consiste en une série centrale de cercles. Une série centrale de figures alternant avec des demi-cercles disposés le long des côtés du bandeau. Il s'agit tantôt de cercles, comme dans l'enluminure qui précède la sourate 79, tantôt de palmettes associées par la base, ou des deux, dans le bandeau qui précède la sourate 5, divisé lui-même en trois secteurs. À l'inverse, les palmettes, ou plus précisément les demi-palmettes, peuvent remplacer les demi-cercles. Cette disposition a été retenue dans un bandeau, celui qui sépare les sourates 33 et 34, mais aussi dans la partie droite du décor reproduit par Moritz dans son livre. Comme on l'aura compris, le décor emploie abondamment les palmettes ou demi-palmettes cordiformes déjà rencontrées dans le codex de Fustat de manière épisodique, mais beaucoup plus présentes dans le manuscrit de Sana. Elles constituent une ressource importante pour les enlumineurs du manuscrit de Dublin. Il est vrai que leur forme les rapproche de celle d'un triangle isocèle ou, quand elles sont associées par la base, d'un losange allongé dans l'horizontale. Un groupe de bandeaux est construit autour de cet élément, généralement en disposant son axe horizontalement. C'est le cas ici, bien sûr. Outre les exemples que je viens de mentionner à l'instant, plusieurs décors ont des palmettes disposées en quinconce, comme ici. Une composition observée également sur le manuscrit de Sana et sur celui de la sourate 80 du manuscrit de Dublin, où les rangées parallèles de palmettes sont réparties en cinq secteurs, alternativement à dominante bleue ou blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme vous le voyez ici, des rangées de palmettes de couleur, la division se fait verticalement et donc les secteurs sont bleus ou blancs, etc. La demi-palmette est parfois associée à la tige ondulée, comme dans le bandeau de la sourate 82, où elle fonctionne comme un rinceau. La même inspiration réapparaissant dans les décors avant les sourates 36, 69 et 70, avec cette différence qu'au lieu d'une bande unique encadrée par un tressage, il s'agit de deux bandes qui en serrent un élément central. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez ici. Donc les palmettes cordiformes sont disposées de cette manière, mais on peut aussi voir une bande ondulée de part et d'autre de cet élément central qui fonctionnerait en quelque sorte comme un rinceau. Des formes végétales, donc plus souvent très stylisées, sont également intégrées à ces décors. On les voit ici à l'intérieur des demi-palmettes. Elles restent dans l'ensemble très fines, à l'image de ce que l'on peut observer pour les vignettes. Voici donc les vignettes du manuscrit, les vignettes originales, qui sont beaucoup moins, si j'ose dire, charnues, beaucoup moins importantes que celles du manuscrit de Sana. Les successions de demi-palmettes sont très proches d'apparence des tiges ondulées, comme je le disais, comme on le voit dans l'exemple, qui apparaissait tout à l'heure à l'écran, voilà celui-ci. Donc les tiges ondulées sont présentes dans le manuscrit, mais c'est presque une exception par rapport à la demi-palmette que l'on fait fonctionner de cette manière. Avant la sourate 77, le bandeau rappelle davantage les décors des manuscrits de Damas ou de Fustat, avec son rinceau porteur de grappes, de raisins et de feuilles stylisées. C'est ce décor.
Mais comme dans l'ensemble des enluminures qui incluent des palmettes ou des rinceaux, les aliments constitutifs sont traités de manière différente et, encore une fois, beaucoup moins charnus que dans les manuscrits que nous avons vus jusqu'à présent. Face à cet ensemble très homogène, quelques bandeaux se distinguent par un répertoire qui tranche avec celui que nous avons vu auparavant. Il s'agit de par exemple de ce décor ou de cet autre. Celui qui précède la sourate 78 reste relativement proche de l'inspiration que nous avons vue à l'œuvre précédemment. C'est plus l'absence de référence au monde végétal qui conduit à le ranger à part, puisque finalement l'organisation du décor elle-même reste un petit peu similaire à ce que l'on voit par ailleurs. Le cadre est bien spécifique avec son alternance de points de couleur, qui est encore une fois quelque chose qui apparaît, enfin les points de couleur apparaissant aux extrémités des cercles, quelque chose de très différent des petites torsades qui constituent l'encadrement des corps, disons, habituels dans le manuscrit. Dans le manuscrit de Dublin, les vignettes adoptent une forme extrêmement particulière, bien éloignée de celle du manuscrit de Sana. Elles tendent à être plus sveltes, les tiges jouant un rôle plus important. Au lieu d'une floraison construite avec des éléments d'origine diverse, nous avons une sorte de buisson, sauf dans quelques cas où la forme reste un petit peu plus sommaire. Donc, je parle de cet exemple-là, mais nous avons généralement, même si ça ne se voit pas très bien sur l'écran, ces formes buissonnantes qui caractérisent la majorité des vignettes du manuscrit. La date de ce dernier a été très discutée. Nous retrouvons ici la difficulté que je signalais au début d'admettre l'existence de manuscrits remontant aux premiers temps de l'islam et à l'époque omayyade en particulier. Dans cette veine, nous avons vu qu'Estelle Whelan soutenait dans un article publié en 1990, et je la cite, qu'aucune preuve extérieure connue à ce jour ne permet d'attribuer de manière incontestable quelques manuscrits coraniques ou groupes de manuscrits que ce soit à une période antérieure au IIIe siècle de l'Égypte, IXe siècle de l'ère commune. Elle considérait que le manuscrit de la Chester Beatty datait de cette période, c'est-à-dire du IXe siècle, et pour expliquer les différences typologiques qui le différenciaient fortement des manuscrits dont nous savons par des documents datés qui leur sont associés qu'ils ont été effectivement produits au IXe siècle, elle avançait l'idée qu'ils étaient destinés à des publics distincts. Avant elle, d'autres chercheurs avaient également fait d'autres propositions. Moritz, que j'ai déjà évoqué, le premier à avoir signalé le manuscrit, signalait de manière assez floue les 8e et 9e siècles, ce qui lui permettait de ne guère se fourvoyer. Joseph von Karabacek, dans un compte-rendu cinglant de la publication de Moritz, où il faisait valoir que Moritz n'avait rien compris à rien, se prononçait pour le 9e siècle. Arbery, dans le catalogue que j'ai mentionné tout à l'heure, évitait prudemment de se prononcer et n'indiquait aucune date. Plus récemment, David James, qui fut un temps conservateur de la collection de la Chester Beatty, attribuait le manuscrit au Xe siècle. Donc vous voyez que la période couverte est assez considérable. Les avis étaient partagés et penchaient finalement plutôt pour une datation tardive. Le parallèle fourni désormais par le manuscrit de Sana a complètement modifié la donne. L'écriture des deux copies, comme nous l'avons vu, est relativement similaire et des décors ont recours au même répertoire. Nous possédons donc deux Corans in folio avec exactement le même nombre de lignes d'écriture à la page, c'est-à-dire 20, qui ont été produits sous les Omeyyades, vraisemblablement dans le premier quart du 8e siècle. Mais notre documentation est en fait plus abondante. Toujours à Sana, un autre groupe de feuillets relève de la même typologie. Il s'agit du manuscrit 01-29-2, formé d'une douzaine de feuillets de 40,5 cm sur 38,5. Le nombre des lignes n'est pas aussi régulier que dans les deux exemples précédents. Il y a une petite variation de 20 à 21 lignes à la page. L'écriture, néanmoins, rappelle fortement celle des deux copies que nous avons vues,
mais sa réalisation est, si j'ose dire, moins précise. Vous voyez dans cet exemple que les choses sont un petit peu plus floues et qu'il y a des changements dans demain, sans doute, à l'intérieur du manuscrit. La caractéristique la plus frappante de cette copie est la présence d'un cadre enluminé autour du texte. Certes, le manuscrit de Sana, que vous voyez, le manuscrit principal, celui qui a la cote 20-33-1, comportait également des encadrements, mais leur introduction dans le manuscrit était limitée au début et à la fin du texte, les feuillets intermédiaires n'en comportant pas. Le cadre du deuxième manuscrit de Sana consiste en bandes colorées qui servent de fond à une torsade en réserve. La taille des boucles varie, plus grande ou plus petite, suivant les pages. Sur un côté du feuillet, on trouve à la place, sur un côté d'un feuillet, on trouve à la place de la torsade une séquence de courts segments obliques. Les cadres du, les coins du cadre, ici donc, sont rehaussés par de petits carrés d'une couleur différente de celle du cadre lui-même. Donc vous voyez, ici, c'est une page où les boucles de la torsade sont plus fines, mais il y a d'autres pages où elles sont plus importantes. Du reste de l'enluminure du manuscrit, nous ne connaissons que deux bandeaux de sourates, le premier séparant la sourate 9 de la sourate 10 et le second entre les sourates 14 et 15. Voilà un détail du manuscrit avec l'indication donc d'un groupe de cinq versets, et voici donc la séparation entre deux sourates dont je parle en ce moment. Les deux décors sont purement décoratifs, comme dans les deux manuscrits précédents, dans leur état originel, ni le titre, ni le nombre des versets ne sont indiqués dans le bandeau, et aucun espace n'y a été réservé pour recevoir cette information. La première de ces deux enluminures a un contour irrégulier. Le copiste a laissé en effet une seule ligne entièrement blanche, si bien que l'enlumineur n'a disposé d'espace suffisant que dans la partie gauche, comme vous le voyez ici. Mais peut-être le copiste suivait-il le même modèle que celui du copiste de Dublin, considérant la ligne finale occupée par un seul mot, comme c'est le cas ici, comme l'une des deux lignes prévues normalement pour les décors. Le bandeau est occupé par une tige ondulée. Malheureusement, j'ai un petit peu massicoté à mon tour la diapositive, et donc vous n'en voyez que la partie supérieure, mais on voit donc la tige ondulée qui porte dans ses boucles des fruits rouges qui sont donc peut-être des grappes de raisin qui ont été représentées de manière stylisée. Nous avons moins d'informations sur un troisième, voici la deuxième, voilà une vue plus complète de la même enluminure. Nous avons moins d'informations sur un troisième manuscrit de Sana qui, comme ceux que je viens d'évoquer, était de format vertical et où les feuillets portaient à nouveau 20 lignes de texte à la page. À la différence des deux autres copies du Coran, celle-ci et pour l'essentiel, environ 300 feuillets conservés dans la bibliothèque de la grande mosquée de Sana. Seul un tout petit nombre d'entre eux se trouvaient dans la cache entre le toit et le plafond de la salle de prière. Malheureusement, les données à son propos sont très maigres. Von Bothmer, qui avait vu le manuscrit, à la fois les feuillets qui sont dans la collection avec le reste des feuillets qui viennent de cette cache, et il avait vu également le manuscrit qui est conservé dans la bibliothèque de la Grande Mosquée, il signalait donc que l'une des particularités de ce manuscrit tenait à la présence, sur les lignes finales des sourates, où un espace suffisant était resté blanc après la fin du texte, de décors de remplissage en forme de flèche. Un autre manuscrit relevant de la même typologie, c'est-à-dire un in-folio de format vertical avec 20 lignes de texte à la page, est conservé à Kairouan. Il était, à vrai dire, connu depuis un certain temps grâce à une publication tunisienne des années 60. Depuis, quelques feuillets ont été présentés au cours d'une exposition, mais avec une attribution qui peut être mise en question, et d'autres feuillets, dérobés à la collection à un moment indéterminé, ont fait récemment leur apparition sur le marché des antiquités.
Le manuscrit mesure presque 50 cm sur 43. L'écriture, comme vous le voyez sur l'écran, est d'un autre type que celui des deux copies de Sana, donc le manuscrit le plus célèbre, 20-33-1 et 01-29-2, que vous avez vu après. Mais cette écriture est réalisée avec un calame plus fin. Elle présente des affinités avec un style qui est bien attesté à une date ultérieure que j'appelle C1. Voici donc l'écriture du manuscrit que vous voyez ici, avec pour mémoire donc l'écriture des deux autres manuscrits. Les différences ne sont pas considérables, mais par exemple le kaf final, au lieu d'avoir cette partie inférieure qui dépasse assez considérablement, ici s'arrête pratiquement à l'aplomb de la tige verticale, et vous voyez que l'alif est un petit peu plus simple dans la forme du retour inférieur. Ce que cette présentation ne met pas suffisamment en valeur, c'est justement la différence d'épaisseur de l'écriture par rapport aux deux autres manuscrits. D'un point de vue orthographique, le texte ne contient pratiquement plus aucune trace de la scriptio defectiva et Shai est désormais écrit sans l'alif médian. Se maintient en revanche l'orthographe ancienne de Bi Hayat avec ses trois denticules ou encore l'habitude d'écrire le relatif zu avec un alif final. Enfin, comme dans le manuscrit de Sana, le manuscrit numéro 1, 20-33-1, la préposition ala est écrite avec un alif final et non avec un ya, enfin la malif, ala est écrit donc sans le ya, qui est la façon actuelle d'écrire le mot et qui était la façon dont les copistes de manuscrits en style hijazi écrivaient cette préposition. Le feuillet 1 du manuscrit, dans son état actuel, était, dans son état initial, était orné en son centre par un décor circulaire dont il ne reste malheureusement plus rien. On a en fait simplement un petit arc de cercle qui nous donne une idée de la décoration. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un cercle dont le pourtour était formé par une rangée de petits cercles qui contenaient un motif central. Voilà les petits cercles qui formaient en quelque sorte la couronne, et puis vous avez ces éléments dont 6 subsistent qui prennent appui sur le cercle et forment une sorte de couronne périphérique. Cette première enluminure rappelle bien sûr celle du manuscrit de Sana, 20-33-1, qui était elle aussi organisée autour d'un cercle central, mais bien sûr avec un projet décoratif plus ambitieux, puisque ce décor intégrait une étoile à 8 branches et ses motifs d'arbres qui se déployaient à partir de l'étoile. Au verso, le début du texte ne présente absolument aucune spécificité. Le texte, disposé dans un cadre qui se répète sur l'ensemble du manuscrit, débute directement par la basmala de la sourate 1, séparée de la suivante par un bandeau dont il ne reste pas grand-chose. Mais nous n'avons pas, dans ce cas, ce cadre plus important que nous avons rencontré sur le grand manuscrit de Sana. Tout au long du manuscrit, des bandeaux de séparation entre les sourates sont conservés. En outre, comme je l'ai indiqué, un cadre entoure le texte sur chaque feuillet. Les motifs, très répétitifs, sont similaires à ceux du deuxième manuscrit de Sana, c'est-à-dire celui que je viens de présenter ici. Le cadre, vous allez le voir, ressemble très, très précisément à ceci. Comme dans ce dernier, les coins sont soulignés par un petit carré. Le plus souvent, le copiste a laissé une ligne entièrement en blanc, le décor courant d'un bord intérieur du cadre à un autre. Voici un premier exemple. Donc, vous voyez qu'ici, nous n'avons pas la place pour les vignettes, qui constituaient la caractéristique du manuscrit de Dublin et également celui du premier manuscrit de Sana, 20-33-1. Ici, la vignette est en quelque sorte superflue puisque le cadre vient bloquer les deux extrémités du bandeau. La façon de traiter les fins de sourate varie considérablement. Le copiste a fréquemment sauté une ligne entière,
même si le texte présent sur la dernière ligne de la sourate précédente se réduisait à une seule lettre, comme c'est le cas ici. Vous voyez qu'il aurait pu tout à fait estimer que c'était suffisant. Il a laissé néanmoins donc, l'espace. Mais il est également arrivé que cet espace lui paraisse tout à fait suffisant pour laisser l'espace à son collègue enlumineur. Enfin, en plusieurs points du manuscrit, l'enlumineur a pu disposer de deux lignes réellement entières. Ici, nous avons une ligne entière plus une partie de ligne, mais il est arrivé que dans certains endroits, par exemple ici, avec une seule ligne, finalement, l'enlumineur pouvait disposer de beaucoup plus d'espace que d'habitude. Plusieurs bandeaux, bien que disposant de l'espace suffisant pour se déployer entièrement entre deux sourates, s'interrompent au point où l'espace se rétrécit, comme on le voit entre les sourates 37 et 38. C'est-à-dire que ici, théoriquement, l'enlumineur aurait pu avoir un bandeau faisant toute la largeur de la page. C'est ce qui se passe en d'autres endroits, mais pour une raison qui tient sans doute à la présence de la partie inférieure du Noun, il a décidé qu'il ne pouvait pas aller plus loin, et dans ce cas, une tige rejoint le bord intérieur du cadre. Cette solution s'impose naturellement lorsque le copiste n'a laissé que la fin d'une ligne à la disposition de l'artiste, et on se reportera de nouveau à cet exemple où la présence d'un seul mot a fait que le copiste a décidé que ça ne valait pas la peine de sauter une ligne, d'autant plus que c'était la dernière de la page et que cela lui aurait fait perdre de l'espace et du parchemin. L'étude du répertoire décoratif est riche d'enseignements. La majorité des corps puise abondamment dans la géométrie, soit directement quand il s'agit de formes comme les cercles ou carrés, soit indirectement quand la structure est fortement soulignée. Il est vrai que les compositions fondées sur la répétition horizontale d'un module de base orientent le ou les enlumineurs, puisque dans ce manuscrit aussi vous allez voir une grande diversité de styles, donc ces compositions orientent les enlumineurs vers ce type de répertoire. Une série d'exemples va nous permettre de nous donner une idée de la diversité des décors qui jalonnent les feuillets du manuscrit. On y rencontre, et ça c'est l'exemple d'enluminure extrêmement sommaire, de très simples rectangles, ici avant la sourate 7, ou des décors plus raffinés à base de carrés, comme c'est le cas ici, précédant la sourate 19, ou des cercles qui garnissent le bandeau entre les sourates 61 et 62. Ces deux dernières figures, le carré et le cercle, sont combinées pour créer cette séquence alternée rencontrée avant la sourate 79, où vous avez les cercles puis les carrés avec un remplissage assez similaire. Bien qu'il n'appartienne pas stricto sensu à cette typologie, j'associerai au décor précédent les très sages, comme ceux qui viennent avant les sourates 22, donc c'est un très sage assez gros dans ses mailles, mais parfois il est plus fin, comme c'est le cas ici, avant les sourates 86 et 87, voire des systèmes encore plus complexes, comme celui qui apparaît en haut, qu'on peut rapprocher sans doute de ces exemples de géométrie. À côté de ces décors très fortement structurés par des formes abstraites, nombre d'enluminures reprennent les rinceaux que nous avons déjà rencontrés sur les codex de Damas et de Foustat et qui appartiennent au répertoire de l'Antiquité tardive. La qualité des représentations varie considérablement depuis des exemples qui prétendent à un certain réalisme dans le rendu des grappes, ce sera mon premier exemple, où on peut encore reconnaître la grappe avec ses différents grains, ou 42, où nous avons quelque chose déjà de beaucoup plus stylisé qui peut rappeler l'exemple de Sana, et même d'autres exemples qui emploient des formes végétales beaucoup plus schématiques, mais restent néanmoins identifiables
comme étant des formes végétales, la couleur aidant souvent à mettre en valeur l'élément qui représente, entre guillemets, la composante végétale, par exemple du vert. On va voir sur deux exemples qui viennent ici. Pardon, je vais en arrière. Voilà un exemple. Donc, ici, vous voyez cet élément qui doit être une grappe ou un fruit qui a progressivement perdu sa forme de manière à s'adapter à l'élément circulaire où il doit s'intégrer, mais la couleur l'identifie en quelque sorte comme un substitut de grappe de raisin, ou ici une fleur dont la forme peut être identifiée, d'autant que les pétales sont soulignés donc, par les traits blancs et permettent donc de reconnaître qu'il s'agit d'une composante végétale. Il faut enfin relever dans le manuscrit la présence d'un élément décoratif qui n'est utilisé qu'une seule fois comme bandeau entre deux sourates, mais qui vient à plusieurs reprises compléter une enluminure. Je veux parler de flèches dont l'interprétation reste pour l'instant énigmatique. Pourtant, dans le cas présent, il s'agit du début de la sourate 30, la flèche semble s'imposer, vu le sens du premier verset qui dit donc les Romains ont vaincu ou les Romains ont été vaincus. Donc, ce contexte belliqueux, si l'on veut, pourrait justifier la présence de la flèche et ce serait même un cas unique de figuration dans un manuscrit coranique de cette époque. Au-dessus du décor principal, donc qui se termine par une pointe, il y a d'autres éléments reprenant les mêmes couleurs. Qui reprend les mêmes couleurs, dont on ne sait pas trop ce qu'il peut représenter, est-ce que c'est une cible, est-ce que c'est un textile, avec toute une série de flèches qui sont fichées dedans et donc qui reprennent la thématique du décor principal. On va retrouver, vous en verrez passer par la suite plusieurs exemples, on va les retrouver, mais sur un mode mineur, avant les sourates 71, 74 et 79, par exemple, où elles semblent avoir pour fonction le remplissage de la fin de ligne, ce qui est le cas ici. Comment, dans ce cas, ne pas penser à un récit relatif au calife Omeyyade Al-Walid II, qui règne très brièvement en 743 et 744, et laisse surtout le souvenir de ses frasques, qui aurait décoché des flèches contre un exemplaire du Coran. Les enluminures représentant des flèches sont connues sur d'autres manuscrits qui peuvent être attribués à la période, notamment au manuscrit de Sana que j'ai évoqué tout à l'heure, qui se range dans le même groupe de manuscrits, mais pour lequel, malheureusement, nous n'avons pas de photos. La fin du manuscrit est fortement soulignée par les enluminures. La dernière double page de texte, avec les sourates 113 au verso et 114 au recto qui fait face, la dernière double page de texte, disais-je, consiste en une sorte de cadre très épais au centre duquel sont écrits les textes des deux sourates. Donc voilà ici le premier élément. La sourate, donc, comme vous le voyez, occupe le centre et de part et d'autre, vous avez ces bandeaux extrêmement développés et puis sur le côté, donc, deux bandes, on va en reparler dans un instant, qui font la jonction entre les deux enluminures. Pour la sourate 113 que vous voyez à l'écran, il s'agit de deux très épais bandeaux horizontaux remplis d'un réseau de cellules hexagonales de formes différentes dans chacun des bandeaux. Sur les côtés verticaux, il faut sans doute restituer une bande de rinceaux. C'est un petit peu difficile à lire dans la mesure où nous n'en possédons presque rien. Une bande de rinceaux encadrée d'un filet de perles de part et d'autre. Le fragment préservé sur le côté droit est sans doute à restituer donc de l'autre côté et sur le feuillet suivant qu'on ne peut pas lire parce que, comme vous allez le voir, cette partie est recouverte par une très disgracieuse restauration entre guillemets en papier qui a complètement recouvert cette partie du feuillet. L'espace sur le dernier feuillet est utilisé de la même manière. Les bandeaux horizontaux sont également remplis par un réseau de cellules hexagonales, donc en haut des cellules avec des côtés équilatéraux, en bas en revanche des hexagones de forme allongée.
le bandeau du bas de ce feuillet reprend très exactement le même motif que le feuillet précédent avec la sourate 113. Ce n'est pas le cas des deux autres, donc des feuillets, de la partie supérieure, dont les hexagones sont très différents. Les derniers mots du sixième verset de la sourate An-Nas, la sourate 114, donc voilà la fin de la sourate, les derniers mots donc sont suivis par une petite tige ondulée porteuse de feuilles vertes, et sur la ligne suivante, de manière extrêmement intéressante, on trouve une basmala, la formule initiale du Coran, qui est répétée en quelque sorte à la fin. Le traitement du texte est très sensiblement différent du début. Sur ce point, le manuscrit se démarque de la présentation du codex de Sana, où les cadres du début trouvaient leur parallèle dans ceux de la fin. Ici, en revanche, nous avons un cadre à la fin, mais rien de similaire au début. En revanche, c'est en quelque sorte le texte qui apporte le parallélisme. Il commence par la basmala, celle de la sourate 1, qui, comme vous le savez, constitue un verset dans la tradition musulmane, et il s'achève par une autre basmala qui, cette fois-ci, ne fait pas partie du texte du Coran, puisque le texte du Coran s'arrête ici, mais le copiste a, en quelque sorte, introduit lui-même un parallèle au commencement. Le verset du dernier feuillet est conservé, vous voyez qu'il est dans un état assez mauvais, mais néanmoins, nous y reconnaissons donc un décor un épigraphe dont la composition nous est familière. En effet, il combine un cercle et une étoile à huit branches, ce qui rappelle bien sûr, tout à fait, en beaucoup plus modeste, l'enluminure extrêmement sophistiquée qui se trouve au premier recto du manuscrit de Sana. Elle s'en distingue cependant sur plusieurs points. Tout d'abord, l'étoile à huit branches est inscrite dans un cadre circulaire et surtout à l'intérieur d'un cadre carré, alors que à Sana, le décor avec l'étoile à huit branches à l'extérieur se prolonge par les arbres qui pointent vers l'extérieur. Le cadre est orné d'un rinceau. Aux angles se trouvent des carrés, à la façon des cadres que l'on rencontre par ailleurs dans le manuscrit de Kérouan, mais cette fois-ci, au lieu d'un simple point, il s'agit d'un quatre feuilles. À l'intérieur du cadre, il y a donc ce grand cercle dont le pourtour est dessiné par une bande de motifs cordiformes, probablement dérivés des palmettes bien connues des enlumineurs omeyyades, puis par deux rangées de points qui encadrent une torsade que l'on ne voit pas très bien parce que mon dessin n'est pas excellent. Puis au centre, cette étoile à huit branches réservée sur le fond avec un motif central qui est assez difficilement identifiable. Comme dans les codex de Damas et de Foustat, le même constat d'une grande diversité de qualité dans les enluminures s'impose. Il ne fait guère de doute que différents artistes sont intervenus dans la réalisation des décors. La façon dont ils se sont organisés reste cependant difficile à cerner. On ne peut pas dire, par exemple, que de telle à telle sourate, on a des décors plus sophistiqués, puis des choses plus simples. Le plus grand désordre subsiste. Des parentés existent entre les décors de Kérouan et de Dublin et également avec ceux de Sana. Les bandeaux qui précèdent les sourates 76, 77 et 79 dans le manuscrit de Kérouan présentent une composition très proche de celle qu'on observe avant la sourate 9 à Dublin. L'inspiration d'autres bandeaux se retrouve également. Je vous passe le détail de ces parallèles, mais ce qui frappe, c'est que le répertoire est relativement homogène et renforce l'attribution de ces manuscrits à une même période. Le deuxième manuscrit de Sana, celui avec le cadre que nous avons vu très brièvement, et celui de Kérouan que nous venons de voir, partagent une même caractéristique. Les enlumineurs n'y ont absolument pas employé la dorure. Et cela n'est certainement pas le résultat d'un souci d'économie de la part des artisans ou encore du commanditaire. Les dimensions du manuscrit permettent de penser que le coût supplémentaire engendré par l'emploi d'or n'aurait pas considérablement renchéri
le prix d'une copie qui représentait déjà un investissement considérable. Dans les deux cas, le jaune semble avoir fonctionné comme un substitut de l'or. L'utilisation de la dorure dans les copies du Coran a été condamnée vers le milieu du 8e siècle par Malik ibn Anas, alors que tant des manuscrits omeyyades qu'une source ancienne nous montrent que la dorure avait commencé à être utilisée au moins dès le règne d'Al-Walid Ier, c'est-à-dire au début du 8e siècle. Dans son Fihrist, An-Nadim rapporte qu'un calligraphe, Khalid ibn Abil Hayyaj, avait réalisé une copie du Coran en chrysographie pour le calife Omar II, qui avait finalement refusé le manuscrit. Nos deux copies, celle de Sana, la deuxième, et celle de Kairouan, pourraient refléter un débat en cours sur les matériaux licites pour les copies du texte coranique, et comme il s'agissait d'exemplaires destinés sans doute à une mosquée, les commanditaires auraient préféré éviter d'employer un matériau qui pouvait poser problème. Une analyse d'un morceau du parchemin du manuscrit de Kairouan nous a permis d'obtenir une date. Le manuscrit aurait été copié, selon ce résultat, entre 648 et 691, avec 95% de probabilité. Vous savez que les dates de carbone 14 sont données avec un taux de probabilité. La similitude avec le manuscrit de Sana est absolument frappante. Je veux dire le premier manuscrit de Sana. Pour ce dernier, il s'agissait d'une période allant de 657 à 690. Donc d'un côté à Kairouan, 648-691, le manuscrit de Sana est pratiquement datable des mêmes années par le carbone 14. Je considère pour ma part, comme l'avait fait déjà von Bodmer, que la date réelle du manuscrit est légèrement postérieure. Les caractéristiques communes à la copie de Kairouan et à celle de Sana numéro 2, c'est-à-dire la 01-29-1, tant pour le cadre du texte, le nombre de lignes à la page et la parenté d'inspiration des décors, ou encore la similitude des marqueurs des groupes de dix versets, attire l'attention sur la parenté de ces deux manuscrits et pose la question des liens qui les unissent, bien que le petit nombre de feuillets que nous possédons rende les comparaisons fragiles, non pas tant pour Kairouan que pour l'autre manuscrit. D'un côté, nous avons en quelque sorte un éléphant et de l'autre, un oiseau. Le manuscrit de Kairouan nous est connu par 200 feuillets, de l'autre, nous n'en avons que quelques-uns. Donc, dans ces conditions, la comparaison est toujours à faire avec prudence. La mise en page des manuscrits coraniques, comme j'ai tenté de le montrer, obéissait à des normes qui soit dérivaient de la tradition de la sacralité, soit étaient mises en place avec le soutien du pouvoir politique. À l'intérieur du groupe des cinq copies in folio que j'ai présentées, les deux qui m'attirent le plus, celle de Kairouan et celle de Sana numéro 2, suivent clairement un modèle. Ce n'est pas un hasard que toutes les deux soient présentées avec le texte à l'intérieur d'un cadre. Il est bien sûr tentant de penser à l'existence d'un atelier officiel qui aurait produit des manuscrits coraniques sur une grande échelle, ou tout au moins penser à l'existence d'une forme de contrôle sur la production de copies commanditées par le pouvoir omeyyade. Les sources arabes pourraient soutenir l'hypothèse d'une production manuscrite contrôlée ou soutenue par le pouvoir. L'édition du Coran, je dis édition avec des guillemets, l'édition du Coran par Osman et le récit de l'envoi des copies de référence dans les grandes villes de l'Empire pourraient servir d'épisode fondateur, si l'on veut, même si on peut discuter l'historicité de cet épisode. Un peu plus tard, apprenons-nous, Al-Hajjaj ibn Yusuf se serait trouvé mêlé à la mise au point d'une édition du texte plus lisible, mais aussi mieux fixée, et aurait lui aussi fait envoyer des copies du texte dans les grandes villes de l'Empire. Dans le Fihrist d'An-Nadim que j'évoquais plus haut, un certain Saad, qui ne nous est pas connu d'autre façon,
aurait été responsable d'avoir engagé le calligraphe, ce Khalid dont je viens de parler, et de superviser la production de manuscrits, sans doute coraniques. Les dimensions même des copies in folio avec 20 lignes à la page indiquent que leur production exigeait des ressources considérables. Le seul nombre des copies dont nous avons conservé la trace, 5 au total, laisse supposer que l'opération fut menée à plusieurs reprises, un certain nombre des exemplaires ayant certainement disparu sans laisser de traces. Mais le fait de disposer de 5 manuscrits, du moins de vestiges de 5 manuscrits de ces dimensions, est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire du livre pour cette époque. L'hypothèse de l'existence d'un atelier de copie de manuscrits impériaux installé à Damas pour produire ces exemplaires coraniques en vue de leur diffusion dans l'ensemble du monde musulman de l'époque me paraît toutefois, comme je le disais à l'instant, trop aventurée. Il est en revanche possible que des instructions extrêmement élaborées aient été instituées pour encadrer cette opération de prestige. Ce nouvel exemple, fondé sur une série cohérente, permet de mieux cerner l'esprit d'innovation qui prévaut au cours de la période omeyyade. Comme dans le cas des copies du groupe d'écriture que j'appelle O1, les commanditaires et les copistes ne sont pas seulement à la recherche d'une meilleure lisibilité ou d'une plus grande précision dans la notation. Il s'agit également de répondre à des besoins politiques et idéologiques à un rythme extraordinairement soutenu. Les expérimentations de l'emploi des encres de couleur au sens large est également un des aspects fascinants de la période omeyyade. Elle semble s'être développée sur une très large échelle, comme l'indiquent des fragments de manuscrits du Coran attribuables à la période qui nous intéresse d'après leur écriture. À côté donc de ces copies de prestige, qui représentent à leur manière une expérimentation dans le domaine du, si j'ose dire, gigantisme, nous avons une autre piste de recherche qui a été suivie à l'époque et qui vise principalement à mettre la couleur au service du texte coranique. Dans la collection de fragments provenant de la grande mosquée de Damas et maintenant conservée au musée des arts turcs et islamiques à Istanbul, j'ai remarqué des feuillets sur lesquels les lignes étaient copiées dans des encres de couleurs différentes. Dans d'autres cas, qui relèvent d'une problématique un tout petit peu différente, c'est tantôt la basmala, tantôt cette dernière et le début de la sourate qui apparaissent en rouge ou en rouge et en vert. Je reviendrai sur ce cas par la suite. Quelques fragments d'un manuscrit, et je vais commencer par lui pour présenter ses spécificités, réservaient une surprise encore plus forte. Leur caractère singulier mérite d'être signalé, car les feuillets que je vais présenter maintenant sont tout à fait hors du commun et pourrait alimenter la réflexion sur ce qui, dans la civilisation islamique naissante, fut voué à n'être qu'une éphémère et recherche graphique. Nous abordons dans ce cas un exemple unique et donc difficile à comprendre dans la mesure où nous ne pouvons pas le mettre en parallèle avec d'autres manuscrits coraniques qui auraient les mêmes caractéristiques. À ce jour, 9 feuillets provenant de ce manuscrit ont pu être identifiés et remembrés. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un manuscrit de format oblong dont les feuillets mesurent 18 cm sur 28,5, bien loin des dimensions des Corans, des 5 Corans in folio que nous avons vus à l'instant. Chaque page est couverte de 14 lignes d'écriture qui occupent une surface de 13 cm sur 22,5 et vous voyez que sur cette page, il y a des marges. Donc nous savons dès à présent qu'il ne s'agit pas d'une copie remontant aux temps les plus anciens, il s'agit au contraire d'une copie qui a été produite au moment où la mise en page du texte coranique avait commencé à évoluer, même si l'écriture du manuscrit, sur laquelle je reviendrai par la suite, est clairement très marquée par les caractéristiques du style hijazi. Le manuscrit, malgré son côté un petit peu fruste, a été préparé par le copiste avec soin. On remarque en effet une réglure à la pointe sèche
qui semble avoir été porté sur le bifeuillet ouvert, c'est-à-dire que le copiste tenait la bande de parchemin devant lui et réglait l'ensemble d'un seul coup. Comme je l'ai dit, il ne reste que 9 feuillets, ce qui fait que nous ne disposons pas de cahier complet, mais la façon d'employer le parchemin dans la confection du manuscrit paraît tout à fait conforme à la pratique courante, c'est-à-dire que les feuillets sont placés dans la même position et donc les côtés de même nature ne se font pas face dans la majorité des cas. Le texte n'est pas continu puisqu'il contient des passages des sourates 6, 7, 8, 9 et donc un tout petit ensemble de textes. Les deux bifeuillets qui sont formés par les feuillets 6 et 9 d'une part, 7 et 8 de l'autre, peuvent donner une base pour la reconstruction des cahiers, puisque ce sont des bifeuillets entiers et le texte y est continu. La lacune centrale entre les feuillets 7 et 8 doit représenter une perte de 4 feuillets, donc on peut reconstituer des cahiers qui sont au moins des quaternions. Malheureusement, nous n'en saurons pas plus pour ce qui est de la taille du manuscrit, le nombre de feuillets qu'il contenait à l'origine. Deux débuts de sourate ont été préservés. Deux débuts de sourate ont été préservés. Dans le premier cas, c'est un bandeau sommaire, comme vous le voyez, qui sépare les deux sourates. Et le titre de la sourate elle-même a été ajouté à l'encre rouge au-dessus du bandeau. C'est donc quelque chose, encore une fois, qui ne présente toutes les apparences d'être un manuscrit relativement ordinaire, sans rien de bien caractéristique, même si, nous allons le voir, cette apparence modeste cache en effet un projet tout à fait curieux. Vous voyez que le manuscrit est également vocalisé, les points rouges indiquant les voyelles brèves, et quelques signes orthoépiques ont été ajoutés par la suite. Sur les 4 premiers feuillets qui sont conservés, qui ne sont bien sûr pas les premiers feuillets du manuscrit, mais les premiers de ce que nous possédons, c'est l'encre brune qui a été utilisée pour transcrire le texte, et uniquement l'encre brune de la première à la 14e ligne. À partir du feuillet 5, l'utilisation d'encre de couleur fait son apparition. Les formules choisies sont relativement simples et font appel pour l'essentiel à un jeu d'alternance de couleurs par bloc de lignes. Ainsi, sur ce feuillet, c'est le premier à utiliser de la couleur. Vous voyez que la première et la dernière ligne sont en vert, le reste du texte étant à l'encre noire. Puis, le jeu se complique avec un feuillet suivant où on a une succession de groupes de 3 lignes. Donc, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, et puis, 3 ici, 2 ici, parce que le problème que va poser ce manuscrit pour le copiste qu'il a réalisé, c'est qu'il a fait le choix d'un nombre pair. Donc c'est très bien pour diviser le nombre des lignes en deux groupes, mais à partir du moment où on veut jouer à ce jeu, la division se heurte à des problèmes, et en particulier, le copiste ne dispose jamais d'une ligne centrale qui lui permettrait d'avoir un texte équilibré. Mais sans doute avait-il commencé la copie avant même d'avoir imaginé les jeux de couleurs auquel vous allez voir, il se livre. Donc, ce type de disposition est somme toute assez simple et exploite uniquement une opposition de couleurs, donc le vert et le noir, de l'encre, ou le rouge et le noir, mais on reste encore à des choses très simples. Au verso, le même principe de composition est conservé, mais varié par l'association du vert et du rouge. Là, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, à l'intérieur de blocs colorés. Ainsi, une première séquence rouge vers rouge. Je suis en train de sauter une diapositive. Non, il y en a
il m'en manque une. Bon, alors je vous parle d'une diapositive qui n'apparaît pas. Le même principe de composition est conservé, donc avec simplement une alternance à l'intérieur des blocs de trois lignes, rouge, vert, rouge, puis des lignes à l'encre, une nouvelle série vert, rouge, vert, puis de nouveau des lignes brunes, et encore une fois, un groupe rouge et un groupe vert, deux lignes à la fin, qui, bien sûr, ne permet pas de mener jusqu'au bout ce principe de symétrie. Le feuillet avec la sourate, que nous avons déjà vu, commence au recto donc, par cette disposition assez simple, 12 lignes à l'encre brune encadrées de vert, et ici, avec le début de la sourate, on a un problème pour le copiste, puisqu'il a voulu continuer à utiliser l'encre de couleur, mais bien sûr, avec cette bande en plein milieu, il lui était difficile de faire grand-chose. Donc on a quelque chose qui est un petit peu avorté, deux lignes de couleur au début, puis des lignes à l'encre, et puis donc cette bande qui gêne la progression. La première ligne de la sourate est de nouveau à l'encre rouge, puis on a des lignes à l'encre brune, mais qui ne correspondent plus vraiment à grand-chose, et une ultime ligne à l'encre verte. Donc là encore, c'est un élément qui nous laisse penser que le copiste n'avait pas planifié complètement son affaire et qu'il n'avait pas réalisé que les décors de séparation entre les sourates allaient compliquer son existence et empêcher de mener à bien une disposition absolument équilibrée et symétrique des lignes de couleur. Le folio 7 faisait matériellement face à ce feuillet et donc reprend la composition qui apparaissait au feuillet 5, avec une alternance de groupes de lignes brunes et vertes. Donc là aussi, autre problème, le copiste n'a pas pensé à la double page. C'est-à-dire qu'il y a des feuillets qui se font face, mais qui n'ont pas la même distribution de couleurs. On a l'impression donc qu'ils traitent les feuillets comme s'ils étaient autant d'unités individuelles et non pas comme des doubles pages, comme c'est le cas, par exemple, sur le manuscrit de Sana, où on a des efforts d'équilibre sur le manuscrit. Donc, jusqu'à présent, des efforts, mais qui restent assez simples. Avec les deux derniers feuillets que nous possédons, nous voyons une conception totalement neuve se faire jour. Le copiste abandonne en effet un système qui respecte basiquement l'unité chromatique de la ligne et n'hésite pas à subordonner l'emploi des couleurs à un dessin qui transcende résolument l'organisation linéaire. Cette dernière reçoit une première, mais légère atteinte, au feuillet 8 recto. Des lignes 1 à 13, le copiste a joué sur des alternances de lignes colorées. Les trois premières sont à l'encre. Trois premières sont à l'encre brune. Les autres successivement vertes, rouges, vertes. Brune, puis rouge, puis brune, verte et rouge, avant les deux lignes et deux dernières lignes à l'encre brune qui forment la série. Mais la dernière ligne, la ligne 14, si vous regardez plus précisément, la ligne 14 est divisée en sept segments de lettres colorées selon une séquence vert, rouge, brun. On commence par du vert, on a du rouge, on a du brun, et on retrouve du vert, du rouge et du brun. Donc, les lignes elles-mêmes restent encore des éléments, des unités prises en considération. La couleur est homogène du début jusqu'à la fin de la ligne. En revanche, la dernière ligne, cette fameuse ligne qui embête tellement le copiste, enfin qui lui pose tellement de problèmes, est traitée de manière résolument différente. La double page qui suit, composée par les feuillets 8 verso et 9 recto de ce qui nous reste du manuscrit, offre une composition beaucoup plus élaborée. Au feuillet 8 verso, la page est organisée schématiquement
comme un damier. Alors bien sûr, ne cherchez pas un damier au sens strict avec des carrés, mais la justification, c'est-à-dire la surface d'écriture, est divisée en trois colonnes verticales, hein, une ici, une deuxième ici et une troisième là-bas. Colonnes verticales qui n'affectent pas la continuité du texte, mais uniquement la couleur de l'encre. Horizontalement, le copiste a constitué cinq blocs, quatre de trois lignes, donc un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, et un dernier de deux lignes sur les lignes de 13 et 14. Nous avons donc au total 15 rectangles. La première rangée horizontale voit une séquence brun, vert, brun, à quoi succède une série vert, brun, vert, puis une série brun, rouge, brun, et puis en dessous nous avons rouge, brun, rouge, et puis donc les deux lignes les deux dernières lignes, le procédé reprennent ce procédé avec du rouge dans une case verte réduite, puis à la ligne 14 un segment vert, quelque chose qui a l'air d'être plutôt une improvisation qu'une conception vraiment bien pensée à l'avance. La mise en œuvre de cette disposition décorative du texte oblige le copiste à introduire une nouvelle façon de faire. Au recto du feuillet 8, la fragmentation de la ligne 14, je reviens à la diapositive précédente, donc la fragmentation de la ligne 14 en éléments colorés coïncidait en effet avec des unités lexicales, c'est-à-dire que, si vous voulez, le vert ou le rouge respectaient les mots, ne cherchaient pas à les couper en segments colorés. Mais ça n'est pas le cas au verso, où à plusieurs reprises, le copiste change de couleur à l'intérieur d'un mot. Ainsi, la première ligne du quatrième rectangle dans la première colonne s'achève par le mot. Attendez que je le retrouve. Le mot al-kaum. Qui était à l'encre brune, pardon, Al-Kao est en rouge et le Mim est en brun. Voilà, ici, je l'ai trouvé. Donc, le début du mot, ici, en rouge, et sa dernière lettre, en brun. Vous voyez que c'est la ligne de séparation qui fait la différence. C'est vrai que les règles de l'écriture arabe font qu'il existe un blanc entre le waou et le mim, et que donc le copiste pouvait tout à fait faire valoir qu'il ne bouleversait pas grand-chose. À la ligne 13, on est dans le verset 21 de la sourate 9, à la ligne 13, on retrouve la même situation où on a aussi un mot qui est divisé en deux par la couleur. Premier mot du verset 21 qui est je pense que c'est en tous les cas, surtout c'est à la ligne 14 que la situation devient beaucoup plus complexe, puisque là on est à l'intérieur d'un mot et non plus d'un segment. Donc vous voyez, ici on avait un mot mais avec deux segments. Ici on a un même mot avec une ligature entre les deux. Et pour réaliser la dernière lettre, le copiste change de couleur. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'un mot, il pose son calame avec l'encre brune et il prend un autre calame avec du vert. Donc un exercice de virtuosité qui devient tout à fait complexe à mettre en œuvre. On passe au feuillet qui faisait face à celui-ci, et alors là, le copiste a élaboré une mise en page d'un degré de complexité absolument remarquable, même si ma photo ne fait pas justice de ce qu'il a fait. À l'aide de segments colorés, il a tracé un losange.
Il a tracé un losange, j'ai inversé deux diapositives, il a tracé un losange avec les lettres vertes hein, qui parcourent ici, donc, qui forment le losange, et vous avez une sorte de socle sur lequel repose le losange. Donc, il a utilisé l'encre verte à des endroits différents à chaque ligne, de manière à indiquer cela. Et vous voyez qu'à l'intérieur du losange, il a utilisé de l'encre de couleur rouge pour mettre en valeur certains éléments. Donc des lignes 1 à 6, des groupes de lettres vertes sont disposés selon le tracé de deux lignes qui sont divergentes. Puis, de ces deux points, en sens inverse, convergence vers le milieu de la ligne 12. Donc, dans cette composition, les lignes 2 à 10 comptent nécessairement chacune deux segments verts, tandis qu'au point de départ et d'arrivée, la ligne 1 et la ligne 11, pardon, j'ai dit 12 tout à l'heure, on a un seul élément vert. Les parties du texte qui ne se trouvent pas sur le passage de la bande verte sont copiées à l'encre brune, sauf deux segments rouges donc, qui sont situés à l'intérieur du losange. Les trois dernières lignes sont organisées selon un principe analogue à celui mis en œuvre au feuillet 8 verso. La justification est divisée en trois colonnes verticales, donc trois secteurs, 1, 2, 3, un rouge encadré de deux bruns. Et la dernière ligne est occupée par trois segments, alternativement donc vert, noir et rouge. Le dernier feuillet, j'avais inversé, renoue avec des formules beaucoup plus simples. Il est divisé en quatre éléments, donc les choses semblent s'assagir après cette espèce d'explosion de créativité avec ce losange qui a dû poser bien des problèmes pour sa réalisation. Quatre éléments, deux sont constitués de cinq lignes à l'encre brune, les lignes 1 à 5 et les lignes 8 à 12, ici. Les lignes 6, 7 et 13 et 14 sont fragmentées en segments colorés selon un principe analogue à celui que j'ai décrit pour le feuillet 8 recto. La différence tient au nombre plus élevé des segments et au jeu d'alternance sur deux lignes. Aux lignes 6 et 7, on compte 10 segments. À la ligne 6, la séquence est vert-rouge-vert, c'est-à-dire ici, vert-rouge-vert, alors qu'à la ligne 7, on trouve rouge-vert-rouge. Aux lignes 13 et 14, un segment a été ajouté, mais le principe est resté le même. Toutefois, le copiste a commis une erreur. À la ligne 13, le huitième segment à la fin, est brun au lieu d'être rouge, et à la ligne 14, les deux segments sont tous les deux en vert, alors qu'ils auraient dû être en principe alternés. Malgré la relative sagesse de la mise en page, le détail des procédés employés aux lignes 6 et 7 révèle une claire séparation entre le texte et le projet décoratif. À la ligne 6, on notera le mot Allah, ici, deuxième. On notera le mot Allah, dont le premier lam est en rouge. Vous avez l'alif initial de Allah, un lam ici en rouge, et la fin du mot est en vert. Le lam alif qui suit, et c'est encore plus audacieux, a une branche verte et l'autre rouge. Donc le copiste, à l'intérieur de la même lettre, c'est une lettre composée, certes, change de kalam. Bilhuda, pareillement séparé entre le ha et le dal, à la ligne 7. Donc, à cet endroit, vous voyez le début Bilhuda, vous voyez le ha, puis le dal qui est rouge, de même que le ya final. On a un lapsus calami, si j'ose dire, à la ligne 7, où le wao de Rasulahu a failli être de la mauvaise couleur, mais le copiste s'est rattrapé au dernier moment, ici. Il a failli se tromper. Il avait commencé à écrire en vert, c'est-à-dire qu'il a oublié
après avoir copié le signe, il a oublié de changer de calame, et vite, vite, il a repris le rouge pour que son segment soit de la bonne couleur. Voyez donc un exercice de calligraphie absolument extraordinaire. L'effet n'est peut-être pas d'une beauté spectaculaire, là n'est pas le propos, mais il y a là une recherche, un effort de mise en page qui est tout à fait hors du commun et qui ne correspond à aucun précédent dans la tradition islamique, même si, on le verra la fois prochaine, il existe quelques parallèles bien sage en comparaison de ce que vous avez vu aujourd'hui. La date à laquelle ces feuillets et la complexité de leur organisation fait que vous les présentez à l'écran n'est pas si facile. La date à laquelle ces feuillets ont été copiés peut-elle être précisée ? D'un point de vue paléographique, l'écriture présente des caractéristiques du groupe Hijazi. Le tracé de la ligne basse correspond à un mouvement naturel de la main, ce qui est bien le cas de cette époque, ce qui est particulièrement net dans le cas du Sin, par exemple, ou du Aïn, qui sont tout à fait proches de ces écritures documentaires de l'époque, celles qu'on trouve sur les papyrus. Pourtant, cette écriture soignée, l'écriture est quand même assez régulière, les lettres sont bien formées, mais j'hésiterais à la qualifier de calligraphique. Cette écriture présente surtout de nombreuses affinités avec celle que nous avons vue, que j'appelle O1, qui apparaît à l'époque omeyyade et correspond donc à une phase ultérieure du développement de l'écriture livresque arabe. Le alif dans notre fragment tend à être plus vertical qu'il ne l'est dans les premiers manuscrits en Hijazi. Certains feuillets paraissent même tout à fait proches de cette nouvelle écriture qui continue à maintenir la forme du kaf final avec cette élongation inférieure particulièrement marquée. Je ne sais pas si j'en ai un exemple, par exemple ici. Vous voyez ce kaf final beaucoup plus long que l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, ce qui indiquerait plutôt une date un peu plus ancienne. Il arrive cependant que le copiste se montre inattentif et il a parfois des tracés plus archaïques qui réapparaissent comme s'il était un peu à cheval entre deux traditions. Le mime final ou isolé est dépourvu de queue. Apparemment, c'est également une caractéristique des Corans omeyyades de style O1, ce qui me laisse penser qu'il faut s'orienter vers cette datation. D'autres lettres sont plus problématiques, comme le nun final ou encore le ha, qui varie beaucoup d'un feuillet à l'autre, comme si le copiste avait été hésitant, disons, entre différentes formes pour cette lettre. Notre copiste affiche un goût marqué pour certaines fioritures, comme les queues du kaf final de taille démesurée, qui traversent la ligne inférieure et s'achèvent deux lignes plus bas. On a vu passer des exemples que je n'ai pas commentés. Je crois qu'il faut revenir. Vous voyez par exemple ici, cette lettre-là, en calligraphie, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Le kof descend jusqu'en dessous de la ligne finale. On a encore d'autres exemples ici. Alors là, c'est dans la dernière ligne, il se permet d'aller beaucoup plus bas. Et je crois qu'il y en avait un autre exemple tout à l'heure. Donc, vous voyez, voilà, par exemple, ici aussi, le Aïn final descend à travers une ligne. Ce sont des choses qui, par la suite, seraient mal vues. Donc, le copiste a, semble-t-il, une certaine liberté d'action vis-à-vis des normes de l'écriture, mais bon, ça reste quand même une écriture assez contrôlée. L'analyse paléographique permet donc d'identifier d'une part des influences du style Hijazi et d'un autre côté des formes de lettres qui sont, à mon sens, caractéristiques des graphies coraniques omeyyades déjà plus développées. Elles reflètent une première étape de régularisation et de stylisation qui s'opère sans doute à l'époque de Abd al-Malik. Du côté de la matérialité du manuscrit, de la codicologie,
Le format oblong suggère lui aussi une date peut-être un tout petit peu plus tardive que la période la plus ancienne où le codex vertical est seul à occuper le devant de la scène. Il semble donc légitime de conjecturer que ce manuscrit appartient à un groupe de copies qui, sans doute, a commencé à se développer vers 700-720 environ. C'est-à-dire que ce serait un manuscrit qui serait pratiquement contemporain des manuscrits de style O1, mais qui aurait suivi une autre piste, une façon de dater qui est confortée par la présence de ces marges assez généreuses qui correspond bien à une évolution plus tardive. Alors que la date d'achèvement de cette copie semble pouvoir être fixée avec une certaine précision, la provenance du fragment reste absolument problématique et le restera sans doute pour quelque temps encore, jusqu'au moment où l'analyse de l'ADN du parchemin nous permettra de dire que la bête à partir de laquelle on a préparé le parchemin était un mouton syrien, yéménite, irakien ou rolassanien. Mais en attendant qu'on puisse répondre de cette manière à la question, le manuscrit n'est malheureusement pas localisé. Il a été longtemps conservé à Damas, puisqu'il appartient à la collection des papiers de Damas provenant de la mosquée des Omeyyades, mais nous ne pouvons pas savoir s'il a été copié sur place ou apporté par quelqu'un venu d'ailleurs, puisque nous, dans ce fonds, nous avons d'abondants exemples de ces transports. En tous les cas, ce premier exemple, nous en verrons quelques autres la fois prochaine, ce premier exemple nous montre une autre piste de recherche qui a été suivie à l'époque, qui n'a pas abouti, et qui pose bien sûr la question de la liberté dont disposaient les copistes de procéder à ce genre de fantaisie, avec beaucoup de guillemets, même si on peut imaginer que le copiste était un homme tout à fait pieux. Mais pour une raison ou pour une autre, il avait besoin d'introduire de la couleur dans le Coran, de l'introduire sans aucune relation avec le texte. C'est-à-dire que les pages que je vous ai présentées ne se distinguent en rien du reste du Coran. L'emploi des couleurs ne vient pas souligner un mot plutôt qu'un autre. On aura plus tard dans la tradition islamique, des Corans copiés avec le nom Allah, par exemple, en écriture dorée, ou le verset du trône mis en valeur par l'utilisation d'une autre encre. Ici, l'utilisation de l'encre se fait absolument indépendamment du texte. Il s'agit d'un jeu graphique dont le sens nous échappe, et c'est bien la question que nous devrons essayer de résoudre. En tous les cas, à côté de cet exemple somptueux constitué par la série de Corans in folio produits vraisemblablement par ordre des califes omeyyades, nous devons également chercher la piste de l'invention des copistes omeyyades dans ces copies beaucoup plus modestes qui témoignent d'une époque où les possibilité de création était sans doute beaucoup plus importante que celles qui existeront un siècle plus tard, au moment où les Abbassides auront pris le pouvoir. Je vous remercie.